Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau Fan Game. Aujourd'hui, Angry Bird 2 sur NES. Souvenez-vous, il y a quelques mois maintenant, je vous ai présenté un Fan Game d'Angry Bird sur la NES toujours, qui était un jeu de plateforme à réflexion. Et comme vous le voyez actuellement, le gameplay a beaucoup changé. C'est toujours de plateforme réflexion, mais on a ajouté un petit peu un jeu de tir, comme dans ce jeu là où on contrôle Kiwi. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a une grosse inspiration. Je ne sais plus comment s'appelle ce jeu. C'est une honte. Je ne sais plus comment s'appelle ce jeu. Mais on sent qu'il y a une très très forte inspiration. Donc trêve de blabla. On va l'essayer. Je n'ai pas du tout vérifié si. Oh là là. Ok. Alors je n'ai pas essayé le jeu. Je me suis pas spoilé. J'ai juste fait mes réglages son normal. Donc je découvre. Ah, The New Zealand Story. Voilà. On va voir qu'il y a une grosse inspiration de ce jeu. Et très franchement, c'est réussi. Voilà. Oui, alors, pourquoi je m'arrête là? Parce que la hitbox est énorme. Alors, n'ayant jamais joué à The New Zealand Story, qui est sans doute un excellent jeu, je pense que si c'est le cas, ce jeu doit être excellent aussi. Oula. Et ben voilà. Ça, c'est fait. Je suis décédé. Alors, que faire? Il y a peut-être un timing. Maintenant, raté. Et je ne peux pas redescendre, je pense. Et je suis bloqué là. Bon. Voilà. En fait, il fallait passer pendant les frames. Non, mais doux. Bon, c'est le décès. Fallait pas passer au milieu. Bon, heureusement, les vies infinies. C'est cool. Donc là, je passe vite. C'est juste mes points qui sont mis à zéro, mais c'est pas grave. Ah, voilà, quelque chose qui me serait utile. Ok, c'est A. Décède. Comment je fais pour ne plus l'avoir, ça? Je sais pas. A priori, ça a l'air d'être infini. Peut-être que... Ah, c'est d'accord, c'était bas. Mais reviens. Mets-toi dessus. Voilà. Ça va beaucoup plus vite comme ça. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça, c'était nul. Ça, c'était extrêmement nul. Ah, ne faites pas ça chez vous. Ok. C'est ça. Non, c'est mignon. On dirait c'est New Zealand, The New Zealand Story. En fait, avec Angry Bird. Et je trouve ça extrêmement beau. C'est vraiment bien. Bon, par contre, voilà. Je voulais éviter de crever. Je vais quand même essayer d'arriver au boss. Hein, ce serait pas mal. Ah, c'était nul. Oh là là, c'était la tristesse. Je veux recommencer. Ah, bah tiens, ça c'est cool, il y a même une carte. Allez, descend. C'est bien, et maintenant... On monte alors, on maintient A pour monter et A pour sauter. Là, je ne sais plus parler. On maintient A pour monter et la touche 1 qui sert aussi à sauter. Et c'est B pour tirer. Oh, c'est quoi? C'était nul. C'était de la grosse merde. Je me sens honteux. Alors, je sais pas pourquoi je raterais avec ça. On s'en fout. C'est bien. Voilà, la musique a fait un petit peu de la merde. Je ne sais pas pourquoi.
Oh, c'était nul. Oh, c'était moche. Ah, c'est peut-être quand je meurs dans les airs, on va dire. Oh. Fuck. On va toucher. Me touche pas. Oh, des lasers. Ça, c'est cool. C'est cool, les lasers. Bon, doucement. 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 Ça passe, ça passe. Et ça, c'est beau. Ah, je suis revenu avec une arme. Non, j'ai pas une arme normale là. Oh là là, c'était la justesse. C'est la justesse en fait. Ça c'est bien. Non, ce jeu est très bon. Ce jeu est vraiment bien. Ça c'était un bruit de porte. C'était dégueulasse. Ça c'est pas cool. C'était nul. Oh, ce style moldave. Il y a les vies infinies. Ça c'est cool. Dégage. Attends, non. Allez-vous-en. Dégagez de ma vie. Récupère des flèches, c'était nul. Oh, c'était moche. Oh, vous allez me voir décéder un nombre incalculable de fois. Évidemment, c'est la flotte, donc la flotte. Ok. Putain, il y a même une barre de respiration. Je peux pas tirer, par contre. C'est extrêmement lent, par contre. Je récupère mon souffle. Faut pas déconner. Voilà, et on descend. Encore. Encore. Allez. Oui, je le vois. Je vois mon copain. C'était un bruit de mur, ça. C'était nul. Oula, alors attention. La hitbox est généreuse. Et très généreuse. Est-ce que là, ça va être le boss fight? Je suis invincible, cool. Je suis toujours invincible. Ah merde, mais ouh, j'ai fait tout bugger. Ah non, c'est bon. Ah, non, c'était un piège, c'était nul. Oh, je suis une grosse tanche. Voilà, ça c'est fait. Oh, je me sens... Oh, il y a une vie. Est-ce que je vais l'avoir? Oui, j'ai une vie. Là, je suis bloqué. Je suis une grosse tanche. Là, c'était nul. Oh. Je suis une énorme bite. Il n'y a pas d'autre mot. Alors là, si vous n'avez pas d'objet pour voler, ça c'est un énorme aspirateur, je reviens de suite. Ma vie, c'est de la merde, donc vous aurez ce bruit d'aspirateur tout le long. Enfin, j'espère qu'il ne s'entendra pas. Enfin, ce serait vraiment cool. Oh là là. Oh là là, c'était la justesse. Oh, c'était nul. La nullité d'un homme. Putain, mais... Sérieusement. Respectez-moi. Non mais s'il vous plaît. Ayez un peu de pitié. Oh oui. Ah oui, là c'est mieux. Et là, hop, c'est le décès. Allez, on y croit. Ah, saute. Je me sens sale à chaque fois que je me meurs. Je meurs pour rien. Ah bah c'est fini. Je ne sais pas combien j'avais de vie en continu, mais tant pis. Et bah voilà. Bah c'est tant mieux. Ça fait quoi? Ça fait 10 minutes. Impeccable. Donc merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo sur ce fan game Angry Bird 2 sur NES qui reprend The New Zealand Story à fond.
mais je le trouve très très sympa. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, d'aller sur RamStation pour télécharger le logiciel et la ROM du jeu, c'est totalement gratuit. De partager la vidéo aussi, si elle vous a plu, de liker la vidéo, de me conseiller des fan games intéressants et originales, je le précise, car je ne prendrai pas tout, j'ai quand même des critères, des exigences. Hein. Quoi d'autre, de partager la vidéo, de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de regarder les autres vidéos. Bon jeu et à la prochaine.